Evie, je suis contente aujourd'hui de vous rencontrer à travers cette première vidéo. Donc cette vidéo va consister à me présenter parce que je pense que quand on commence une chaîne YouTube, c'est important de se présenter. Vous avez besoin de savoir à qui vous allez parler, qui vous allez avoir en face de vous, même si c'est à travers un écran, je pense que c'est utile. Donc voilà, donc cette vidéo va se composer en trois parties. La première va être une minuscule présentation de moi-même. Je ne vais pas m'étaler des heures parce que ça va vous gonfler et c'est pas le but de cette vidéo. La deuxième partie sera quel genre de vidéo je vais vous réaliser et à quelle fréquence. Et la troisième partie, ça sera pourquoi mon pseudo qui est Mimi Makeup, vous donner un peu l'origine de ce pseudo. Donc nous allons commencer par la première partie, la présentation. Donc je me prénomme Camille, j'ai 23 ans et je suis de la région parisienne. Dans la vie, je suis assistante commerciale. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime par-dessus tout la musique latine. C'est pour moi, c'est génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est génial. J'adore vraiment, c'est vraiment ce que j'adore. Je sais, je me répète, ne m'en voulez pas, je suis désolée. Voilà, j'aime beaucoup aller au cinéma. J'ai pas de type de film que je vais voir en particulier, c'est quand ça sort, je regarde la bande-annonce et je me dis « Ah ouais, ce film-là il a l'air trop bien, faut que j'aille le voir ». Donc voilà, donc j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup voyager, c'est vrai, qui n'aime pas voyager. Comme je n'ai que 23 ans, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup voyager, mais j'ai quand même fait quelques petits trucs. Je suis allée au Maroc, j'ai fait un road trip, une sorte de road trip au Maroc. J'ai fait, cette année, nous sommes partis à Fuerteventura dans les Canaries, où nous avons pu découvrir Fuerteventura et en même temps Lanzarote, car nous avons fait une journée sur Lanzarote. Et voilà, donc, et j'ai fait l'Espagne, j'ai fait Barcelone une semaine, et j'ai fait une journée en Italie. J'étais vraiment très petite, donc je crois que je m'en souviens même pas. J'ai aucun souvenir là-bas. Donc voilà ma petite présentation. Voilà, je vais pas m'éterniser, on s'arrête là. La deuxième partie, quel type de vidéo je vais aborder avec vous et à quelle fréquence. Mes vidéos seront principalement des vidéos sur le maquillage. Je ferai des getting ready, je ferai des hauls, je vous ferai mes produits favoris, enfin voilà, quand même beaucoup de choses diversifiées, qu'on partage beaucoup de choses ensemble, que ce soit pas toujours la même chose parce que vous allez regarder des tutos make-up à longueur de temps et ça va vous saouler et vous allez dire stop. Donc voilà, donc on va diversifier les vidéos, on va faire beaucoup de choses ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire et que le voyage que nous allons faire ensemble va vous plaire. Voilà. Voilà. Et à quelle fréquence je vais faire les vidéos? Alors, je ne vous cache pas que mon travail me prend beaucoup de temps. Voilà, je passe beaucoup de temps au travail. Je travaille du lundi au vendredi. Donc, je termine tard le soir, je rentre tard chez moi. Donc la seule chose que j'ai envie de faire quand je rentre chez moi, c'est me poser un peu et m'occuper de ma maison. Mais je garderai toujours du temps pour vous. Pour l'instant, je vais m'en tenir à une vidéo par semaine. Pendant les vacances, j'espère pouvoir vous en faire 2-3 vidéos par semaine. Le jour où je vais les poster, ça sera le week-end. Parce que ben, je ne pourrais pas le faire la semaine, parce que ça prend du temps, et du coup, vraiment, le week-end, c'est mon temps libre, donc ce sera pour vous,
Et voilà. Donc, quand je travaille une vidéo par semaine, quand je ne travaille pas et que je suis en vacances, ce sera 2 à 3 vidéos par semaine. Et ensuite, la troisième partie, mon pseudo. Pourquoi Mimi Makeup ? Mimi Makeup, tout d'abord, le premier Mimi, parce que depuis que je suis toute petite, la plupart des personnes que je connais m'appellent Mimi. C'est mon surnom depuis que je suis toute petite. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petite, j'ai adoré le film Un Indien dans la ville. Et comme vous le... Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais, et si vous connaissez ce film, mais si vous, pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent ce film, le petit indien s'appelle Mimi Sicu. Donc voilà. Donc ma mère m'a appelé, a commencé par m'appeler Mimi. Et du coup, voilà, ça m'est resté et tout le monde m'appelle comme ça. Ensuite, make-up. Bah, make-up tout simplement parce que c'est mon domaine. J'adore ça. Depuis que je suis au collège, vraiment ça me passionne. J'ai jamais été passionnée par autre chose que le make-up. Donc je suis au collège, j'ai vraiment commencé à me maquiller quand j'étais en 3e. Parce que avant, on est trop jeune, ça sert à rien de se maquiller. En plus de ça, les profs ils détestent ça, ils croient que vous êtes dans un cirque. Voilà, pour moi c'est pas utile de se maquiller avant. J'ai commencé à me maquiller à partir de la 3e, mais encore, j'ai demandé l'avis de mes parents parce que vous pouvez pas le faire sans demander l'avis de vos parents, c'est quand même important. Donc j'ai commencé à me maquiller très légèrement, donc c'était du simple fard à paupières avec du mascara, un petit gloss transparent qui... Je crois que à l'époque c'était le gloss transparent de chez Yves Rocher et genre il durait 2 minutes sur les lèvres. Donc voilà, une fois que j'avais pris le bus et que j'étais arrivée au collège, j'avais déjà plus rien sur les lèvres. Donc c'était vraiment tout petit. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire des dégradés, j'ai commencé à allonger le regard, j'ai commencé à faire un trait d'eyeliner, enfin voilà, j'ai commencé à mettre du fond de teint et tout. Je vous le dis dans des ordres, hein, mais voilà, c'est ce qui me vient aller tout de suite à la tête. Du blush, du rouge à lèvres, voilà. J'ai vraiment évolué au fur et à mesure du temps et là aujourd'hui, ben voilà, j'ai le complet sur le visage et j'adore ça et pour moi c'est vraiment... malheureusement j'ai pas pu en faire mon métier parce que voilà, j'ai eu le courage mais j'ai pas eu le soutien que j'attendais de mes proches, donc du coup c'est plus mes amis qui m'ont dit vas-y mais lance-toi et tout que ma famille. Mes familles n'étaient pas très d'accord parce qu'ils avaient peur que je ne trouve pas de travail derrière, donc je me suis lancée dans un autre dans d'autres cursus scolaires et finalement aujourd'hui j'aime mon travail, j'aime ce que je fais et le maquillage c'est ma passion et ça restera ma passion. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires à me faire, faites-le à l'espace dédié. Vous pouvez d'ores et déjà me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, où je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Twitter, je vous le dis tout de suite, je me suis inscrite cette semaine et je n'y comprends que dalle. Si vous avez envie de me faire un petit cours, je suis preneuse. Parce que franchement, mis à part retweeter des trucs, c'est tout ce que je sais faire. Donc voilà, donc si vous pouviez m'aider, merci. Donc voilà, donc à nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !